Hello tout le monde, je suis Vanessa Léger-Dorigain et aujourd'hui je suis contente de rencontrer Gaspard qui a pu m'apporter son livre 365 affirmations, maxi méditation expliquée et commentée pour renforcer sa résilience. C'est vraiment un très bel ouvrage qui est énorme, qui est vraiment volumineux, 654 pages, vraiment qui peut vous conduire à une sorte de à trouver une paix intérieure aussi et à comprendre mieux ce qu'est la sagesse. Aujourd'hui, je vais vous lire une maxime commentée par Gaspard qui m'a touchée. En fait, il y a beaucoup de maximes qui m'ont touchée, mais là, c'est assez important pour moi. L'homme n'est pas un être fini, mais un être en devenir. Cette idée révèle une perspective très dynamique et optimiste dans la nature humaine. C'est un rappel puissant que peu importe où tu es dans ta vie, tu es toujours en train de grandir, d'évoluer, de te transformer. Pense à cela comme à un voyage sans fin vers une version de toi-même toujours améliorée. Tu n'es pas statique, figé dans le temps avec une set d'attributs immuables. Non, tu es plutôt un livre dans l'histoire de ce que tu pensais possible. Cette façon de voir implique aussi une grande ouverture à l'apprentissage continu. Elle suggère que tu as toujours quelque chose de nouveau à apprendre, que chaque personne que tu rencontres peut t'enseigner quelque chose. C'est une invitation à rester humble et curieux, à embrasser l'incertitude et les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. Et tu sais, ce n'est pas juste une croissance personnelle dont il est question ici. C'est aussi une transformation qui peut affecter les autres autour de toi. En choisissant de te voir comme un être en devenir, tu peux inspirer les autres à adopter la même attitude. Tu deviens un modèle, une preuve vivante que le changement est positif, alors est possible et positif. Tu encourages ainsi ceux qui te suivent à ne pas avoir peur de changer, à ne pas se contenter de ce qu'ils sont actuellement s'ils aspirent à être quelque chose de plus. Donc, chaque fois que tu te sens découragé par tes erreurs ou tes échecs, rappelle-toi que tu es un travail en cours et que chaque erreur est une étape vers une version plus sage et plus capable de toi-même. Embrasse ce processus de devenir, car c'est là que réside la véritable beauté de la vie humaine, non pas dans la perfection, mais dans l'éternel effort pour l'acquérir. Voilà, je vous encourage donc à acheter ce livre qui est disponible sur Amazon et vous aussi, vous allez découvrir quelle est votre maxime. Quel est le commentaire de Gaspard qui vous inspire le plus et qui, je suis sûre, va vous accompagner tout au long de votre vie.